pour la deuxième journée de Une semaine, une palette, seconde édition. Je sais, c'est long à procéder. Toute cette semaine, on va faire des looks avec cette palette de Kat Von D, la palette de son 10e anniversaire. Donc aujourd'hui, c'est le jour 2. Et je sais pas si vous avez deviné, mais j'ai décidé... en fait, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé un maquillage style indien, puisque je suis indienne à la base. Du coup je me suis dit aujourd'hui j'ai du temps, je reste à la maison, je pense que je peux explorer ce côté du maquillage indien, donc on va faire ça. Attaquons, ne perdons pas plus de temps que ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Primons les yeux avec toujours le même Nude by Nature Perfecting Eye Primer. Si l'idée vous plaît toujours, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Si jamais, parce que j'ai eu un commentaire d'une seule personne, mais j'imagine que les autres restent silencieux si ça vous plaît pas ou je sais pas trop. Si jamais c'est pas une formule qui vous plaît, vous êtes toujours libre de marquer vos suggestions dans les commentaires. Ça va me faire vraiment grandement plaisir. J'essaye vraiment de faire plaisir au plus de monde possible, c'est très dur. Je vais prendre la couleur blanche qui est juste là. Blanche. Un peu chère, un peu. Oui, c'est ça. J'essaie de faire plaisir à plus de gens possible, mais j'ai du mal. Donc voilà. Je vous invite à laisser des commentaires gentils. Hein. Je sais que je peux compter sur vous, sur la gentillesse. Si vous êtes les meilleurs pour ça. Ce matin je me suis réveillée, c'est pour ça que je suis là. Quelle heure est-il? Il doit être dans les 8h du matin. Je sais pas si vous le savez, mais je me lève très tôt le matin. Je me lève vers 5h15 par là, tous les jours, même si je reste à la maison parce que je suis plus productive le matin. Donc je vais vous approcher déjà. Donc je me suis levée tôt ce matin et tous les matins je prépare une petite liste de choses à faire. Mais avant de continuer, je vais prendre cette couleur là et je vais l'appliquer comme couleur de transition. Je sais pas si ça va être assez assez foncé ou pas. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est assez foncé. Je fais une liste de tout ce que je veux faire dans la journée et je le coche quand c'est terminé. Donc ça peut être quelque chose d'aussi basique que tourner la vidéo, monter les vidéos. Ce qui va être ça toute la semaine. Ou vider la vaisselle, faire la lessive, passer l'aspirateur, enfin, des choses comme ça. Quand je sais que je vais rester à la maison, bah, autant que je le fasse, hein, et si j'ai le temps. Et donc ce matin, tous les matins, je fais du sport aussi. Quand tout à coup, pas d'électricité. Je me suis dit, l'univers ne veut pas que... J'ai pris ça comme un signe. Je vais prendre la couleur... Je sais que je veux prendre cette couleur là comme au coin externe. Avec la 217-21-17. Donc je me suis dit bon, si l'électricité revient avant que... C'est quand j'ai fini mes tâches du matin, je vais faire mon sport. Si elle revient pas, ça veut dire que je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Donc je vais prendre ma douche. Et je vais me préparer pour la vidéo. Je sors de la douche. L'électricité est revenue. Je vous ai dit hier, j'avais acheté des fossiles. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici. J'ai acheté des fossiles et je me suis dit qu'aujourd'hui, comme j'ai le temps, je vais les mettre. Pour voir si c'est bien ou pas. Et on va se faire un avis ensemble, tiens. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient apprécié le make-up que j'avais dans la vidéo de dimanche, celle que j'ai tournée avec Mathieu. Et j'aimerais bien le reproduire avec cette palette. Si ça vous tente, dites-le moi. C'était un halo eye avec du jaune au milieu, jaune orangé. Mathieu m'avait dit, au moment de tourner la vidéo qu'on a fait ensemble, il m'a dit... Moi, je suis pas sûre que les gens ils aiment bien quand j'arrive sur ta chaîne. Je lui dis, mais les gens ils t'adorent sur ma chaîne. Ils aiment bien te voir. Et je comprends pourquoi. Tu sais, il est super cute, il est super marrant.
Il dit si j'ai pas, si j'ai des thumbs down ou s'il y a des abonnés, s'il y a des gens qui se désabonnent, je filmerai plus jamais avec toi. Pourquoi vous êtes partis? Ce matin, on se réveille, on a perdu 3 abonnés. Il fait ok, bon bah c'était la dernière. Vérifiez si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît, si vous voulez que Mathieu revienne. Moi, je trouve ça trop triste pour lui quand même. Moi, c'est peut-être moi la relou, hein. En même temps, je ne sais pas. Je vais dire que c'était moi. J'ai décidé que j'allais prendre la couleur un peu rouge qui est juste ici. La mettre ici. Je vais faire au maximum, je vais essayer de ne pas prendre de ma palette de secours. Vous le savez, j'ai toujours une palette de secours de Make Up For Ever. Pour la Perception Palette, j'en ai pas eu besoin. Ici, des fois, je me dis, ah, il manque un très foncé ou un mat entre deux couleurs. Mais le défi, c'est de l'utiliser sans autre fard. On va faire ça comme ça. Je vais prendre le clou du spectacle, ce or qui est ici, c'est un or shimmery. Je vois qu'il y a des grosses paillettes à l'intérieur, alors je sais pas si c'est... Oh my god. J'ai même pas mis d'eau, rien. Waouh! Je vais essayer avec un petit peu d'eau. Est-ce que vous avez une manière bien spéciale d'organiser votre semaine, votre journée? J'aimerais bien savoir. J'adore organiser mes journées. J'adore quand je vois ma liste se cocher au cours de la journée. Moi, je suis du genre à envoyer tous mes emails le matin. C'est le matin que je regarde mes emails. J'essaye de pas trop les regarder trop souvent dans la journée parce que ça sert à rien. À moins vraiment que ce soit quelque chose de très important, je ne regarde pas mes mails plus qu'une fois par jour, donc j'y réponds le matin. Si j'ai du courrier envoyé, genre un peu pro et tout, je le fais là. Et des fois, je suis comme, bon, oh, ben, on m'a toujours pas répondu. Jusqu'à ce que je me rends compte que j'ai envoyé le mail, il était comme 6h30 du matin. Si je travaille dans un bureau, normalement t'es pas encore arrivé, mais bon. C'est mon impatience qui parle. Aujourd'hui, je vais vraiment smoker le bas. Je sais qu'il y en avait quelques-unes d'entre vous qui n'avaient vraiment pas aimé ça. Je trouvais que c'était trop foncé, mais moi j'aime beaucoup faire ça. C'est quoi ça? Oh, je vais prendre le gros crayon. Le gros crayon de Sephora. Avec... une pencil brush. Tu vois par qui? Oh, on a fini le film, la série Into the Badlands. Je vous le conseille vraiment. C'est très... si vous aimez, vous savez, les chorégraphies de... arts martiaux, un peu, comment ça s'appelait le film jadis qui avait bien fonctionné? Tigre et dragon? Je sais que vous savez de quoi je parle. si vous aimez ce genre de chorégraphie, quelque chose de très cinématique et tout, je vous conseille cette série, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. L'histoire est comme très prévisible. Je vais reprendre ce brun. Mais... C'était beau, je trouvais ça plus beau que bon, mais non, c'était sympa, j'ai bien aimé l'histoire. Donc on a fini ça, on a fini la série Safe, qui je pense est terminée, je pense que la conclusion est arrivée. En 8 épisodes, ça va, j'aime bien, c'est rapide. Et on a commencé The Peaky Blinders, une espèce de... comment ça s'appelle? Une série... qui se passe dans les années entre les deux guerres mondiales c'est un peu une espèce de guerre entre des gangsters en Angleterre. Je trouvais ça très cute, très cute, non, très cool comme histoire. Je prends le
Artist Color Pencil. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là ils ont marqué des noms là-dessus. Avant c'était que des chiffres sur les produits de Make Up For Ever. Et ça s'appelle le Whatever Black. Je ne sais pas si ça vous tente de voir quelqu'un qui met de l'eyeliner et des faux cils. Alors je vais faire ça hors caméra. Et je reviens dans un instant. Magie du montage. Donc j'ai mis des fossiles. Alors ça a été beaucoup moins compliqué que je pensais. Ils sont vraiment agréables ceux-ci. C'est les Ardell 120 demi. Si vous voulez voir, si vous voulez me voir appliquer des fossiles, ça va me faire grandement plaisir. En général c'est pas quelque chose qui m'intéresse quand moi je regarde des vidéos, mais je peux comprendre que ça puisse vous intéresser aussi. Donc j'ai utilisé ça. Je me suis acheté de la colle à fossiles, une nouvelle colle de la marque Kiss qui s'appelle le Strip Lash Adhésif avec Aloes. Et so far so good. Je les sens pas tellement. Est-ce qu'on voit une grosse différence par rapport à quand j'ai pas de fossiles? Je sais pas, c'est super léger. Et je pense que c'est la première fois que je mets des fossiles aussi impressionnants en termes de qualité. Et pourtant, c'est des fossiles pas trop chers. Et en eyeliner, j'ai fait un swatch ici. J'aimerais vous montrer. J'y vais très fort, ça ne part pas. C'est un eyeliner génial de NYX. Si vous aimez les eyeliners feutres, ça s'appelle That's the Point. Et c'est super petit. Check. Voilà. Super petit, super mat, super noir. Il faudra le checker de temps en temps. C'est ma première utilisation avec. Je voulais faire vraiment une pointe fine. Et c'est ça. J'arrive pas encore à faire la pointe ici. Je sais pas comment faire. Il faudrait que je regarde des tutoriels et que je m'entraîne de ce côté. Je vais juste marquer encore un petit peu plus le coin interne avec le crayon qui est le Whatever Black de Make Up For Ever. Je veux aussi vous dire que les grosses paillettes dorées qui sont dans le fard jaune doré, elles finissent par tomber en fait. Ce fard, ça finit par tomber. J'ai apporté de quoi faire un peu de contouring. Ah, je voulais vous raconter une petite histoire. Je vais prendre ce pinceau avec l'espèce de rouge. Je vais mélanger le rouge et le orange. Celui-ci et celui-ci. Le collier que je porte, c'est le collier que je portais à mon mariage, puisque j'ai fait un mariage. J'ai fait deux mariages. J'ai fait un mariage la veille de mon mariage, où c'était une soirée où on mettait du henné. Et le lendemain, j'ai fait un mariage traditionnel avec une robe blanche. Ça, c'était les bindis qu'on avait achetés pour le mariage. Ça, c'était la... ça fait partie de la parure que mon père m'avait offert pour mon mariage. Je vais mettre le reste, en fait, tout à l'heure, à la fin, pour que vous puissiez voir. Il y a les boucles d'oreilles, il y a l'espèce de truc qui vient ici et tout. C'est super beau. Et j'avais... je pensais pas que c'était un si gros deal pour mes parents, cette soirée de henné. Pour moi, c'était plus comme un... je sais pas, comme un pré-mariage, je sais pas comment expliquer. Je vais prendre cette couleur. Oui, j'ai utilisé ma palette. Et j'avais acheté mon sari sur un site random indien. Vraiment, je voulais pas investir genre super cher. Je voulais quelque chose de sympa, mais j'allais tellement pas le porter longtemps que je me suis dit c'est pas la peine que je mette des milliers de dollars dans un sari. Déjà mon père m'a payé ma robe de mariée. Je me suis dit non, je vais me charger du sari, puis l'essentiel sera dans l'accessoirisation, le make-up et tout ça. Et du coup j'ai reçu mon sari et tout. Je sais pas si vous savez, vous pouvez tout faire genre sur mesure, hein. Après ça... ça vous est envoyé pour très très peu cher. Et mes parents... mes parents sont trop drôles. Ils ont vu mon sari, puis ils ont fait comme... ben, c'est pas assez beau pour toi. J'étais tellement touchée, mais j'ai dit, mais non, mais c'est pour pas longtemps, vraiment, faut pas se casser la tête avec ça. Je vais prendre un bronzer de Colourpop.
Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous tente. Parce qu'il faut que je démonte le truc. Et il m'a dit, mes parents m'ont dit, non, le sari n'est pas assez beau pour toi. Viens, on va aller on va faire les magasins. On va t'acheter un sari. Donc on a été dans le quartier indien de Montréal. Si vous n'avez pas eu, si vous habitez à Montréal et vous n'avez pas été genre parc extension et tout ça, c'est vraiment le best. Genre les bindis, ça coûte rien du tout. Les bijoux, c'est souvent pas trop cher. C'est super cute, c'est super beau. Ça a l'air un peu pouic-pouic de l'extérieur, mais il faut connaître, il faut savoir, moi je dirais. Et du coup, ils m'ont dit quel sari tu aimes. Puis j'osais tellement pas, déjà qu'ils payaient tant d'affaires. J'osais tellement pas les déranger avec ça. Je dis mais non, mais vous inquiétez pas, ça va bien. Ils m'ont acheté mon sari, ils m'ont acheté ma parure. Puis j'étais trop touchée. Du coup, je vais le chérir genre toute ma vie là. Et je voulais juste vous raconter que j'ai pas de culture appropriation. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie de ma famille. Et ça a une histoire. Je vais prendre un blush de cette palette Sleek. J'adore Sleek. Je pense que je vais prendre celui-ci. Et la palette, elle s'appelle comment? Sugar. Et je pense que je prends la couleur. Aucune idée, parce que je ne sais toujours pas lire les palettes. Je vous invite à partager une histoire aussi touchante ou marrante sur votre famille. Un beau geste qu'ils ont fait pour vous, ça serait sympa de, tu sais, de se remémorer et partager et avoir un petit peu de positivité dans cette journée. Ça serait super cool. J'aime bien comment mes yeux ils sont en fait avec les fossiles. Je sais pas, je me regarde comme ça. Je vous regarde pas, je vous regarde. Je trouve que ça fait beau finalement. Je sais pas, est-ce que vous voyez une grosse différence? Let me know. Je vais prendre la couleur blanche de la palette. Parce que j'ai pas fait mon brow bone encore. Et je crois que c'est un peu messy. Il n'y a pas de couleur de highlight. Fait que je vais prendre ça. Mon highlight est un crème donc. J'ai mis un primer de Smashbox. Voilà, je vais vous en parler. Ça sera pas long. Attention. Attends. J'ai cet échantillon. Moi j'adore essayer les échantillons. Photo Finish Primer Water. Et ça fonctionne assez bien avec le Superstay de Maybelline. À chaque fois je veux dire Stay Matte, mais ça s'appelle Superstay de Maybelline. Donc c'est le nouveau, le dernier qu'ils ont sorti. Je vais prendre un highlighter qui s'appelle Fanny Pack de Colourpop. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Colourpop. Alors ça fait 30 secondes. Ce highlighter, si vous avez la peau pâle et que vous ne trouvez pas de highlighter un peu blanc, je vous le conseille, il est un peu blanc, juicy, et pas, il n'a pas d'autre couleur que blanc, limite blanc bleuté tellement il est blanc. Et je pense que c'est un des meilleurs vendeurs, avec Flexitarian qui est un de mes préférés. Attention, je pince mon Beauty Blender et... Je vous laisse choisir quel est le look que vous préférez entre celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Personnellement, mon préféré des deux, c'est aujourd'hui. J'ai aussi préparé quelques looks éditoriaux un petit peu... Vous savez quand on avait fait le eyeliner... Je parle plus. Le eyeliner graphique. Ça m'avait plu de faire quelque chose de portable, mais pas tellement, mais essayer quelque chose de nouveau. Mais je me suis dit j'allais sélectionner quelques trucs nouveaux à faire. Enfin, sélectionner. Je me suis inspirée sur Pinterest, qui est comme pour moi la source de inspiration de tout. Quand j'ai besoin d'inspiration de quelque chose, je vais sur Pinterest. Comme rouge à lèvres, j'avais prévu de mettre un rose, mais c'est pas ça que je vais mettre. C'est un lip gloss de MAC qui s'appelle Viva Glam Rihanna. Et comme il est rouge, super intense, je me suis dit que ça serait bien avec peut-être. À voir. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. Si vous voulez voir d'autres
vidéo de une semaine une palette, je vais mettre une playlist juste ici. Vous pouvez cliquer juste ici pour avoir, pour vous abonner à ma chaîne. Et je remercie mes marraines et mes parrains pour d'avoir sponsorisé cette chaîne. Et si vous voulez sponsoriser cette chaîne, vous aussi, mettez votre souris sur ce petit carré ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Bye!